Bonjour mon petit Minouze. Bien dormi mon fidèle compagnon? Aujourd'hui est un grand jour. Le capitaine fête son anniversaire. Et une surprise se prépare. Nous avons été missionnés dans le plus grand secret. Nous allons acheter des huîtres pour ce soir. Allez mon Timilouz, en avant pour de nouvelles aventures. Il y a 20 000 serveurs. Tout va bien, monsieur? Non, tout ne va pas bien. Mes amis, mes soi-disant amis, ils ne pensent même pas à moi. Comment ça, monsieur? Personne n'a pensé à m'appeler pour mon anniversaire. Votre anniversaire. Bonjour, capitaine. Belle journée, n'est-ce pas? Vous voyez bien! Même vous, vous avez oublié! Laissez-moi seul! Dehors, Moulagov! Je vous ai commandé des huîtres hier. Une minute, s'il vous plaît. Oui, oui. Je les ai reçues. Elles sont en bas. Oui, oui, elles seront prêtes. Oui, oui, je fais attention. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Oui, oui. Toutes, d'accord. Oui. Excusez-moi d'insister, mais je suis assez pressé. Une minute, j'ai un client pénible. Allez, qu'est-ce qu'il fait, votre cabot? Alors, une rose, c'est quoi ces manières? Tenez, voilà votre commande. Merci bien. Je les ai reçues, elles sont en bas. Oui, oui, elles seront prêtes. Bien. Et oh, matelot!
Et les trois bouteilles dehors. Oh, 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 oh. Oh, c'est le temps. Battez-vous, monsieur Gouzou. Suisse à l'ennemi. Allez, attaquez-moi un peu de foudre pour la sauce tartare. Laisse ça. Comptez que sur soi-même ici. Joyeux anniversaire, capitaine! Oh, merci, papa. Moi qui pensais que vous aviez oublié mon anniversaire. Bon anniversaire, capitaine! Oh, mon ami Trifon! Mais merci, Trifon, merci beaucoup! Mais venez, restez pas long, on va aller boire un coup. Voyons, capitaine, vous pouvez nous payer un verre à boire? Un instant, monsieur. Votre cadeau d'anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire? Oh, sacre bleu! Elle est charmante. Et quelle teinte de voix cristallin. On dirait le pigeon de Dijon. C'est toi, mais pour moi. Bravo. 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 Passons au salon, capitaine. Nous nous sommes occupés de tout et nous allons vous servir votre plat préféré. Merci à tous pour cette jolie surprise. Et pour le cadeau. Non. Asseyez-vous et taisez-vous, s'il vous plaît. Hein? Voilà, merci. Quel joli bourre. Papa, vous m'avez parlé de mon plat préféré. Vous avez prévu des huîtres? Oui, et elles m'ont été garanties fraîches de ce matin. Oh, merci, papa. J'ai un problème en cuisine, monsieur. Un problème? Quel problème? Les huîtres, monsieur. Ah, c'est pas grave, amenez-moi. Vous êtes sûr, monsieur? J'en suis sûr, je vous ai demandé de me les amener. Très bien, monsieur. Sapristi, qu'est-ce qui ne va pas avec ces huîtres? Regardez, monsieur. Les voici. Mais... Et que diable, ces huîtres sont bleues? Mais non, capitaine, regardez. Elles sont bleues. Mais c'est ce que je viens de vous dire, monsieur Mouzouk. Sacre bleu. Laissez-les-moi, capitaine. Je les ramènerai demain chez le traiteur. Ah non, papa. C'est hors de question. Que faites-vous, capitaine? On va passer ça impressionné par une pauvre couleur bleue. Alors? Waouh. C'est les meilleures huîtres que j'ai jamais mangées de toute ma vie. Étonnant. Vous permettez? Aucun danger, on peut y aller. Je vous ramène la suite de la cuisine, monsieur. Ah oui, bien sûr. Amenez-nous tout, on va se régaler. J'arrive de me voir si belle. Oh, mais c'est pas vrai. Mais faites la terre, mais quelle plaie. J'arrive de me voir si belle. Oh, mais c'est insupportable. Trifon, comment vous arrivez à supporter ça? Joyeux anniversaire! À la vôtre, mes amis. Et j'espère que vous allez nous étouffer avec vos huîtres.
Capitaine. Réveillez-vous. Où sommes-nous? Mais chez vous, à Moulin Sars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée, mais j'ai un de ces mal de crâne. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir mangé les huîtres bleues. Les huîtres bleues? À quoi pensez-vous, mon ami? Notre étonnante perte de mémoire pourrait provenir de notre repas. Sapristi, mais que dites-vous, mon garçon? Les huîtres seraient les responsables? Possible. Je vais en avoir le cœur net. Je vais retourner à la boutique où je les ai achetés. D'accord, je vous accompagne. Non, mieux vaut pas que vous sortiez comme ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bouton sur le nez ou quoi? Restez plutôt ici et veillez à ce que nos amis aillent bien. Entendu. Nestor, il faudra manger tout ce bazar. Oui, monsieur. Bonjour. Ah, c'est vous? Oui, je viens vous interroger à propos des huîtres que vous m'avez vendues hier. Comment, mes huîtres? Ces dernières étaient bleues. De plus, elles vous ont provoqué des effets plutôt indésirables. Excusez-moi, j'ai des clients plus importants que vous. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Milouz, ce vendeur nous cache quelque chose, c'est sûr. Il me faudra des frites et du chorizo, s'il vous plaît. Très bien. Des huîtres. Bouge pas, Milouz, je regarde. Celles-ci sont normales. Pareil. Tenez, messieurs, dames, 15 francs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Des huîtres bleues. Et il y en a par centaines. Et elles proviennent du Saint Crâne Sophias, le pays de notre ami, le général par hasard. Allô, général, c'est moi, Pimpin. Pipine, comment allez-vous, mon ami? Très bien, merci. Je m'excuse de vous déranger, je suis sur une nouvelle enquête. J'ai découvert que des huîtres très particulières sembleraient provenir de votre pays. Des huîtres? Mais les San Crana Sofias ne produisent pas d'huîtres. Oui, je sais, tout ceci paraît très bizarre. De plus, ces huîtres ont la particularité d'être bleues. Bleues? Désolé, Pimpin, mais il n'y en a pas par vous parler plus longtemps. On pourrait nous écouter. Nous écouter? Retrouvez-moi ce soir au 26 roues du Labrador. Mais général, vous êtes dans mon pays? Des huîtres bleues qui proviennent du Saint Crâne Sophias.
le général qui est ici à Bruxelles. Tout ceci donne des rien qui vaille, mon cher Mulhouse. Ah, j'y suis. Vous êtes en train d'étudier les fameuses huîtres bleues? Mais non, vous faites fausse route. Je suis en pleine étude des huîtres bleues. Espèce de mérinosphère embouchée, c'est ce que je viens de vous dire. Je pense avoir découvert une étrange substance mélangée à l'huître. Une substance, dites-vous? Non, capitaine. Une substance. Et je vais très vite découvrir d'où elle provient. Ah, voilà enfin. Qu'est-ce qui se passe? Je t'écoute. Je crois que j'ai commis une terrible mégarde. Parle. J'ai vendu par erreur des huîtres bleues à un certain Pimpin. Pimpin? Vous le connaissez? Évidemment. Il m'a fait mettre derrière les barreaux. Il s'est aperçu de quelque chose? J'en ai bien peur. Il est venu me questionner ce matin. Espèce d'idiot! Ce maudit reporter va mettre son nez dans nos affaires. Il faut que je récupère les preuves. Et vite! Et le reporter? Je vais m'en occuper personnellement. Bientôt, il n'aura plus rien à raconter. Viens, Mulhouse. Le général est en retard, Mulhouse. Ça me dit rien qui vaille, hein. Désolé, amigo mio, mais il a dû envoyer mon fidèle Ramon pour m'assurer que ce n'était pas un piège. Général, par hasard, mais où sommes-nous? Vous êtes dans ma cachette. Personne ne doit savoir que je suis ici. Et pourquoi êtes-vous ici, à Bruxelles? Suivez-moi. Je vais tout vous expliquer. Alors, mon ami, vous n'avez pas suivi les actualités de ces derniers jours? Non. Étonnant pour un petit gratte-papier. Vous connaissez Ramon? Toutes mes excuses, mais mes aventures m'ont bien occupé ces derniers temps. Guacamole, cette crapule, mon éternel rival, il a encore fomenté un coup d'état dans mon dos et il a pris le pouvoir dans notre beau pays, le Sangrana Sofias. Ah, le gredin! Un tel bandit à la tête de votre pays, c'est très contrariant. Je ne vous le fais pas dire. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, parole de par hasard. Ah, vous avez un plan? Bien entendu. Pour l'instant, je reste en exil, avec ma douce Colomba. Mais dès que je le pourrai, je reprendrai le pouvoir. Mais, revenons-en à notre histoire. Vous évoquiez des huîtres bleues.
Tout à fait, Général. De plus, après les avoir mangés, nous avons tous succombé à une sorte de délire collectif. Surprenant. Le plus surprenant, c'est qu'elle vient de votre pays. Guacamole. Je suis sûr que c'est lui qui est derrière toute cette histoire. Ah, oui, ma douce colombe. Monsieur s'est encore fait avoir. On se retrouve de nouveau dans une vieille bique frappée de raies de cafard. Ma palomita mia, ne t'énerve pas. Mais je vous connais, vous. Oui, souviens-toi. C'est mon vieil ami Pimpin. Au revoir, madame. Ne traîne pas trop par hasard. Il y a encore de la vaisselle à faire. Vous la connaissez? Un tempérament de fuego. Ma, quelle beauté. Je sais, Général. Bon, revenons à nos affaires. Je vais faire jouer mes relations et nous allons percer tous les deux les mystères des huîtres bleues. Vous m'avez réveillé, espèce de porc épique mal rouché. J'ai trouvé, capitaine. Les huîtres cachent en réalité une drogue. Une drogue, dites-vous? Non, une drogue. Ce qui me fascine, c'est qu'il me semble reconnaître les travaux d'un confrère. C'était un professeur respectable qui, par souci d'argent, est devenu chimiste pour les barons de la drogue. Et c'est lui qui l'aurait produite? Et pourquoi les dissimuler dans des huîtres bleues? Laisse-leur la porte, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour. Il y a mille sabords, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ah, c'est toute une histoire. Je passais non loin de là et... crac! Ouais, j'ai pensé à vous. Ouais, surtout à votre futur. Mon futur? Je me suis dit, Séraphin... Car oui, Séraphin, c'est mon nom. Enfin, mon prénom, bref. Je suis Séraphin Tampon, des assurances Tondas. Et pour votre futur, capitaine, je vous ai préparé un beau projet de police d'assurance. Stylo? C'est n'importe quoi, votre truc. Allez dehors! Place, quoi qu'on soit. Et ma sac. Mon futur. Je gère très bien tout seul, mon futur. Espèce de mitrailleur à bavette. Franchement, mais n'importe quoi. Papa, vous me faites une blague? Capitaine Cradock, oh. Vieux loup de mer. Ah, le bon, mon gros d'extrait de cornichon. La barbe te va très mal, crois-moi. Parle pour toi. Ça perd les poupettes. Silence, ton disque. Papa. Alban, tourne-disque. Alban, levez tourne-disque. Allez-y, Moussaillon.
Ce coup de bavarier d'album ne perd rien pour attendre. Arrêtez de vous les battre! Mais je ne veux pas aller au théâtre, jeune homme! On va faire un tour! Oh, vous êtes troubadour! Allez, rentrez là-dedans! Professeur! Professeur de disque! Ah, le bandit! Nous avons encore une chance de le rattraper. Hé, venez de bicycler! Ne vous inquiétez pas les enfants, je vous ramène votre bicyclette tout de suite. En avant. Hé, voleur, c'est notre bicyclette! Bicyclette au voleur! Au voleur! Sapristi! Et doucement! Allez, on va les rattraper! Tenez bon, professeur! On arrive, on arrive! On n'est pas si pressé! Le bandit! Bossy Bouzouk! Boisson soif! Ectoplasme! Espèce de papou des Carpates! Ils sont partis par où? Par là! Nestor! Nestor, ils vont enlever mon trifon. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Fermé, vous dites? Il n'y a plus rien. Nada. Les liens ont été totalement vidés. Vous êtes sûr, général? Absolument. Votre traiteur, il a mis les voiles. Ça, par exemple. Ils nous ont bien berné, hein. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Il y avait inquiété de mon côté. On reste en contact. Très bien. Merci, général. Bonjour mon brave, nous venons voir le capitaine. Je dirais même plus, nous allons à la rencontre du capitaine. Entrez mes amis, allons au salon, je vais vous raconter toute l'histoire. Installez-vous. Ah, voilà les deux oiseaux. Bonjour capitaine. Bonjour capitaine. Je vous laisse, je vais partir quelque part. Bien sûr capitaine, nous vous appellerons si nous avons besoin de vous. Tout a commencé hier, avec l'anniversaire du capitaine. Cette histoire d'huître bleue, le professeur qui se fait enlever, tout ça ne me dit rien qui vaille. Je dirais même plus, tout ça ne me dit rien qui aille. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Capitaine? Regardez cette carte, il y a une adresse dessus. Oui, et alors? Alban l'a laissé tomber par mes gardes. Je suis sûr que c'est son repère et notre ami est peut-être prisonnier là-bas. Ne nous emballons pas, capitaine. Nous sommes sûrs de rien. Mais une million de mille sabords, je suis sûr que c'est un indice. Allons y faire un tour. Tu as raison, Dupuis. Nous en aurons le cœur net. Allons-y tous ensemble. Très bien. Mais soyons prudents, les amis. Nous pourrions tomber dans un guépier. Rassurez-vous, Pimpa, vous n'avez rien à craindre avec nous. Je dirais même plus, vous avez tout à craindre. Nestor, je dois partir, je reviens vite.
D'ici là, pensez à moi chez du whisky, j'ai plus rien dans le bar. Merci. Oui, monsieur. Nous voilà arrivés. Faisons deux groupes. Papa et moi passerons par devant, on va aller fouiller ce bureau. Voyez ce que vous pouvez trouver de l'autre côté. Entendu. Allons-y. Et surtout, soyons discrets. Rassurez-vous, Pimpin, Motus et Bouche Cousue, c'est notre devise. Et je dirais même plus, Botus et Mouche Cousue, c'est notre Denise. C'est bien ce qui me fait peur. Papa, venez voir. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Regardez donc. Ces factures proviennent de l'ordurie, capitaine. Cette république de traîne potence. Regardez. Des commandes douteuses semblent aller de l'ordurie vers le Saint-Crin-la-Sophias. Je n'y comprends plus rien. Quel rapport avec les vitres bleues ou l'enlèvement du professeur? Donc on sera pas venu pour rien. À la vôtre, capitaine. Eureka! Je crois que j'ai trouvé. Les huîtres bleues sont produites en ordurie, puis vendues au Saint-Crin-la-Sophias, qui a en charge leur distribution à travers le monde. Mais mes milliards de mille sabords, si vous dites vrai, mon ami, nous avons affaire à un trafic international. Qu'y a-t-il, Milouz? Sapristi, nous ne sommes pas seuls. Attention, Dupuy! Tu sais que tu es maladroit! Ça va, Dupuis? Dupuis, je crois que j'ai trouvé un indice. Je dirais même plus, nous avons trouvé un indice. Que le grand cric me croque, mais laissez-le, papa, ce n'est qu'un enfant! Pourquoi venir dans un garage? C'est mon oncle le propriétaire! Ton oncle? Mais où est-il donc, sacrebleu? Il est parti avec deux autres hommes! Deux autres hommes, dis-tu? L'un d'entre eux avait-il un couvre-chef vert? Absolument! Et le second était barbu avec une casquette de marin comme la vôtre! Nom d'un garde-côte à la mie de pain! C'était Alban et Tourne-Disque! Où sont-ils allés? Je ne me souviens plus, mais je les ai entendus parler de l'ordurie! Vous aviez raison, papa. Le cœur de l'organisation se situe bien là-bas. Il n'y a plus une minute à perdre, capitaine! Nous devons nous y rendre, libérer notre ami et démanteler ce réseau criminel. Bien parlé, papa! Je vais contacter mon ami le général. Il pourra sûrement nous faire passer la frontière de l'ordurie. Mais bande de bêches et bouzouk, qu'est-ce que vous faisiez? Regardez, nous avons trouvé ceci! Attention! Je dirais même plus! Attention, la marche! Regardez, c'est le pendule de tourne-disque. Il est bien passé par ici. Nous nous rapprochons du but, c'est certain. Regardez le pendule du professeur!
Il semble indiquer une direction. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je pense qu'il veut retrouver son propriétaire. C'est la bonne piste, c'est certain. Je dirais même plus, c'est certainement la bonne piste. Bande d'astronautes de 12, vous racontez n'importe quoi. Messieurs, vous avez peut-être raison. Le capitaine et moi, nous allons partir pour l'Ordurie. Très bien, on reste en contact, Pimpin. C'est parfait. En avant du puits. Et attention à la marche. Capitaine, nous allons libérer notre ami le professeur et par la même occasion, résoudre le mystère des huîtres bleues. En avant, Moussaillon ! Vous êtes sûr que le rendez-vous est bien ici ? Absolument, capitaine. Le général devrait être dans les parages. Oh, flûte ! Quelle bonne surprise ! Capitaine Craddock, Pimpin, content de revoir vous ! Flûte, mais que faites-vous ici ? Moi, pilote avion du général par hasard. Hola, amigos. ¿Cómo están ? Content de vous voir, général. Tout le monde est là ! Nous allons pouvoir décoller direction la Pindavi. La Pindavi ? C'est ce Bachibouzouk, notre ami retenu en Ordurie, pour Pindavi. Capitaine, l'Ordurie n'est pas un pays facile d'accès. Ya. Le général a raison. L'Ordurie est une dictature. Impossible pour nous d'atterrir là-bas. À peine aurions-nous franchi leur espace aérien qu'ils nous auraient descendus comme des petits moineaux. Tac, 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 tac. Tout ceci est fâcheux. C'est pour ça nous atterrir en Pindavi. La Pindavi. Une de mes aventures m'a déjà amené là-bas. J'ai retrouvé un sceptre volé et ma route a croisé pour la première fois celle de Bianca Castafion, le pigeon de Dijon. Ah non, papa! S'il vous plaît, ne me parlez pas de cette pianorexie! La Pindavi et l'Ordurie sont des pays frontaliers. Il nous suffira de franchir celle-ci, de retrouver les professeurs, de résoudre cette histoire de l'huître et de prouver que cette merde del général Guacamole est liée à tout ceci. Mes amis, nous avons du pain sur la planche. J'ai avion qui attend nous. Vous avez compris? Flutz, il travaille dorénavant pour les Sankrana Sofias. Et une fois qu'il aurait récupéré les pouvoirs, il les nommerait chevalier des lords de la bague templière, les plus hauts grades de l'armée Sankrana Sofienne. Danke, général. De nada, amigo, et viva la révolution! Flutz, une fois sur place, c'est vous qui nous indiquerez le chemin pour passer la frontière? Nein, Mishka sera le guide. Moi, garder l'avion. Mishka, c'est qui Mishka? Mishka est une amie fidèle. Elle habite en Pindavi. Est-ce une personne de confiance? Elle nous aidera à franchir les postes frontières de ces ordures d'ordures. Général, votre plan me paraît très bien préparé. Gracias, amigo. J'aime quand une plan se déroule sans accroc. Eh non, je vais pas prendre ces tout petits cigares. Je vais prendre les plus gros. Par hasard! Ah merde! Fruits, démarre la machine! Allons-y! Allez, bon, il est très bien, Pipi! On mettra le capitaine Craddock à l'arrière! Comment ça, à l'arrière? Pourquoi le capitaine, il a un peu question que je monte à l'arrière! Allez-y, mon ami! Montez, amigo, montez, dépêchez-vous! À l'arrière, un capitaine à l'arrière! On aura tout vu! C'est inadmissible, moi je vous le dis! Dépêchez, amigo, dépêchez! Oh. Si! Allez, démarre la machine, Fruits! Thank you.
Oui, mais je suis un peu plus à l'aise en mer que dans les airs. Détendez-vous, capitaine. Nous n'avons rien à craindre. Flute, c'est un pilote hors pair. Ouais, je sais bien. Flute, mettez la radio, ça les éteindra. Bonne idée, général. Ah non, éteignez-moi ça, espèce de bayadère de carnaval. Ah, je ne serai pas les pyrènes d'Adiram. Quelle voix magnifique. Papa, faites quelque chose ou chaute. Flûte, coupez la radio, s'il vous plaît. Entendu. Mais, elle semble cassée. Oh, misère de misère. Loup-garou à la graisse de renoncule. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas marché autant. Allez, encore un peu de courage, capitaine. Nous allons bientôt rejoindre Mishka. Les points de rendez-vous n'est plus très loin. Je suis tout de même déçu que Flutz ne nous accompagne pas. Flutz est un excellent pilote, mais ce n'est pas un homme de terrain. Et je préfère qu'il reste là-bas pour surveiller mon aéroplane. Vous avez sans doute raison, général. Excellent pilote, excellent pilote. On a quand même été bien secoué au décollage et à l'atterrissage. Il m'a semblé entendre une bruit. Cachez-vous, Miami. Bonté sèche, mais qui est-ce? Silence. Il sait peut-être que nous sommes là. C'est juste un chasseur. Il ne pense pas, capitaine. Mais voyons, général, personne ne sait que nous sommes ici. Hé, ne sous-estimez pas Alban. Il a des espions un peu partout. Je pensais que la mine de vie était un pays sûr. Restons sur nos gardes, capitaine. Je crois que nous sommes en danger partout. C'est bon, il est parti. Allons-y, et en silence. T'es en retard, par hasard. Ah, je suis désolé, ma chère Mishka. Nous avons eu des impondérables, hein. Tu connais Flutz. Allez, donne-moi ta main qui te fasse des bisous. Au fait, je te présente. Mi amigo, c'est le Pin-Pin et le capitaine Craddock. Enchanté. Bon, alors, c'est ton papa. Oui, capitaine. Cette demoiselle Mich. Je l'imaginais pas du tout comme ça. Comment ça? Vous l'imaginez comment? Bah, je l'imagine un peu plus... Ah bah, un peu plus mature, un peu plus vieille, quoi. Tout va bien? Y a un problème? Non, non, pas problème, madame Mich. Moi, juste dites-vous avoir belle robe. Merci, mais on n'est pas là pour parler de ma robe. Et puis, vous pouvez me parler normalement. Absolument. Oh, les mains! Ah, merde! C'était Grédine, il nous a retrouvés! Je vous ai eu! Alban va me donner une bonne récompense pour votre capture! Tiens-moi ça. Oh. 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 Allez, on traîne pas. Il était peut-être pas tout seul. Oh, quelle femme! Je vous l'avais dit, mes amis. Il aime les femmes qui ont des coronets. Allez, suivons-la. Thank you.
sommes. Tiens, nous sommes dans les coulisses du théâtre. Trifon, que faites-vous là? Par ma barbichette, Pimousse. Je suis tellement heureux de vous revoir, mon ami. Mais que faites-vous là? J'ignorais que vous étiez acteur dorénavant. Acteur? Mais pas du tout. Je suis séquestré ici par cette bande de malfrats. Je suis obligé de travailler pour eux. Je leur confectionne une drogue unique qui le vendent à travers le monde. Vous faites une tournée autour du monde? Mais non, cette bande de gredins dissimule la drogue dans des huîtres peintes en bleu. En bleu, dites-vous? Comme l'huître que nous avons mangée. Mangée? Vous avez mangé la drogue? D'après mes analyses, cette huître contenait une drogue. Oui, je sais, je viens de vous le dire. Et j'imagine que c'est vous qui l'avez confectionnée. Pourquoi donc, mon ami, en tant que scientifique de renom, pourquoi vous rabaissez-vous à travailler pour des bandits? J'ai pas le choix, je suis prisonnier ici, et leur chef est un vil gredin, prêt à tout. Trifon, mais que faites-vous là? En ce moment, je loge à Moulinsars, chez mon ami le capitaine. Non, que faites-vous ici? Ah, pourquoi je suis ici? Je l'ignore, un jeune homme m'a proposé de venir au théâtre. D'ailleurs, à quelle heure commence la pièce? Général, vous et Mishka, vous vous connaissez depuis longtemps? Si, c'est una buena amiga. Elle m'a beaucoup aidé dans mon dernier combat face au général Guacamole. Elle a même fait partie de mon armée des Picaros. Tu t'en souviens, hein, petit colibri? Impressionnant. Mon cœur appartient à la Pindavie. Mais avec les tensions qui montaient avec l'Ordurie, j'ai su que ma place était ici, parmi les miens. L'Ordurie, notre ami est retenu prisonnier là-bas. Rassurez-vous, capitaine. J'ai passé plusieurs fois la frontière. Je connais l'endroit comme ma poche. Sans vouloir jouer les rabat-joie, une fois en Ordurie, trouver le professeur ne sera pas chose aisée. C'est un grand pays. J'ai fait quelques recherches avant votre arrivée. Je pense savoir où se trouve le quartier général. Une secte sévit dans la campagne isolée et embrigade les pauvres paysans des environs. Mais quel rapport avec notre histoire? Cette secte se fait appeler la Plava Kamenika. Plava Kamenika. Cela signifie huître bleue en vieil ordurien. Ça ne peut pas être une coïncidence. Ah, je suis sûr que cette secte, elle sert de couverture à tous ces trafiquants de drogue. Nous verrons tout ça très prochainement. En attendant, il va falloir aller nous coucher. Une longue route nous attend demain. Oh non! Il va encore falloir marcher! Bon, remarquez, ça fera du bien à mon régime, n'est-ce pas, papa? Tout à fait, capitaine. Amigos, permettez-moi. Avant d'aller dans les dodos, je voulais vous chanter une petite canción que un troubadour sans crâne sofien, il a composée par ami. Mishka, mon petit colibri, est-ce que tu veux bien danser? Non. Bon, tant pis, je vais faire ça, hein. Je prends la guitare. Oh non, c'est pas vrai. Je l'accorde un petit peu. C'est l'humidité. Mi bémol, soy un dictador sympa, c'est Louis du San Crara Sofias, général par hasard. Mais si tu me prends pour un con, c'est le peloton d'exécution, général par hasard. General Guacamole, tu es una cuimol, San Cranas Sofias, viva revolución, llévete botervión, San Cranas Sofias. Ça ne vous a pas plu? Je la trouve tellement extraordinaire qu'elle touche les corazones et je pense à mon pays bien-aimé qui me retrouvera bientôt. Pour remettre de l'ordre dans tous ces merdiers. Allez, allons dormir, amigos. On a du pain sous la planche demain. Enfin, à la limite, je préfère la castation. Thank you.
voici arrivés au pied de la frontière, messieurs. Et toi, mademoiselle Mich, on va quand même pas escalader cette montagne. Je crains que nous n'ayons pas le choix, capitaine. Ce est épaudant, les amis, hein. Une chute pourrait nous briser les os. Ah, un petit peu d'exercice me rappellera ma jeunesse, hein. Ah oui? Je ne vous savais pas sportif, général. Ah, Pin-Pin, je vous rappelle qu'il a gagné plusieurs médailles aux Olympiades du Centre Grana Sofias. Il excellait dans plusieurs disciplines. Un petit échauffement et il vous gravit cette montagne les doigts dans les nez. Restez ici. Une fois arrivé au sommet, je vous enverrai la corde. Aïe, ne vous l'avez pas dit, amigos. Mais quel est vous sur cette grandiose nature, hein? Regardez la petite grimper comme une petite écureuil. Quelle impétuosité de la jeunesse, hein? C'est formidable. Mishka, vous êtes bien arrivé. Lancez-moi la corde! Ah, oh, merde, il est pris dans la gueule! Ah. Je m'attache un petit peu, mais je n'aurais pas dû manger les tacos que Peggy m'a préparés avant de partir. Hein. J'ai pris une pète de bide. Je me lance! Aïe! Merde! Mon limbago! Pin-pin! Mon ami, aidez-moi! Oh! Oh. Gracias, amigo. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes jambes des 20 ans. Pas d'imprudence, général, hein? Ah, Mishka, vous n'auriez pas pu nous faire passer par un chemin plus facile? Toujours à se plaindre, hein, par hasard. Allez, envoyez la corde aux autres. Capitaine, je vous envoie la corde. C'est à vous, capitaine. Ah, c'est à moi, vous voulez que je grappe? Ah, bah oui. 1 000 000 saveurs. Pourquoi je me suis embarqué dans cette aventure? Tout va bien se passer. Oh, les cœurs! Ouais, si vous le dites. Bon, faut y aller. Faut y aller. Ah merde, mais qu'il est lourd ce cradoc! J'ai l'impression de remonter l'ancle de la licorne. Tenez-moi bien, Mishka. Un peu plus à gauche, capitaine. Vous avez une prise à droite. Ah, ma capitaine, il va falloir faire un régime, hein. Ça n'est plus possible. Après, si on était passé par un chemin plus simple, tout ça, ça serait pas arrivé, hein. Oh. Papa, j'y suis arrivé, mon ami. À vous. En avant, Milouz. C'est à nous. Surtout, accroche-toi bien, mon fidèle compagnon. Milouz! Papa! Papa! Oh non! Il a dû se faire mal, hein? C'est fini, je crois qu'on le reverra plus jamais. Alors, on va te voir, les amis. Merde! Pin, Pin, vous êtes vivant, Santa Madonna! Papa, jamais je pensais vous voir vivant! Par chance, Milouz n'a rien de cassé. J'ai trouvé un autre chemin pour vous rejoindre. Que cette mésaventure vous serve de leçon. Les montagnes Pindaf sont dangereuses. Regardez où vous mettez les pieds. Vous avez raison, Mishka. Allez, suivons-la. Quel rabat-joie, cette Mishka. Il va encore galérer avec ses rochers, hein.
Regarde Dupuis. Je crois qu'il s'agit du Temple du Soleil. Allons-y. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Absolument, regarde. Le professeur est en haut de ses marches. J'en suis persuadé. Soyez discrets, nous sommes sur le chemin frontalier. Merde! Les gardes en dur! Cachez-vous, mes amis! Hop, placé, c'est pas faire. C'est possible. Votre corps est arrivé. Madre mio, il a découpé la sainte grenade. Planquez-vous. Grenade. Il croit qu'on peut y aller, les amis. Mes amis, veuillez m'excuser, j'étais retenu par une autre affaire. Professeur Tourne-Disque, professeur Jambe de Laine, quelle chance de vous avoir ici réunis. Professeur Tourne-Disque, je n'avais pas prévu de vous kidnapper, mais comme on le dit, le hasard fait bien les choses. Que voulez-vous? Reste un peu pourri. La drogue que vous fabriquez est unique. Grâce à vous, je gagne beaucoup, beaucoup d'argent. Mais malheureusement, vous restez des hommes. Vous avez besoin de dormir. Vous avez besoin de manger. Et je rêve d'une production 24-24-7-7. Que voulez-vous dire? Vous apprenez la formule à vos confrères. Et à deux, vous doublez la production. Pardonnez-moi, mais qui êtes-vous? Le directeur du théâtre? Quel théâtre? De quoi il parle? Quel théâtre? Je comprends. Admettons. Je le répète, je suis un homme très riche. Mon organisation fait des miracles. On récolte, on produit la drogue ici, dans cette dictature, à l'abri des regards. On la vend illégalement à Sainte-Crona Sofias, à mon ami le général Guacamole, qui lui la distribue dans le monde entier. Tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Tout ceci dans un système tellement complexe que même la police ne trouvera pas. Donc, appelez ça du théâtre, si vous voulez.
Mais si vous travaillez pour moi, vous deviendrez des gens riches. Excusez-moi, mais je suis un peu dur de la feuille. Pouvez-vous répéter? Ah! Ne me provoquez pas! La question est simple! Est-ce que vous voulez travailler pour moi? Oui ou non? Certainement pas. On se calme, on se calme. Je vous laisse encore le temps de la réflexion. Et si la réponse est négative, je vous tue! Le scélérat. Cet homme est étrange. Pourquoi veut-il que je travaille dans un théâtre? Je n'ai aucun don pour la comédie. Je suis un scientifique. Regardez, une petite ferme. Nous pourrions peut-être nous faire héberger ici cette nuit. Méfions-nous. Nous sommes en territoire hostile. Ils pourraient nous dénoncer. Elle a raison, papa. On ferait mieux de dormir à la Belle Étoile comme la nuit dernière. Vous avez sans doute raison. Mais où est le général par hasard? Bon sang, mais vous avez raison. Où est Strength Potence? Il était juste derrière nous. Ah, mi amigo, c'est réglé. Ils viennent de rencontrer une petite paysan locale. Et ils se proposent de nous héberger et de nous nourrir pour la nuit. Venez, mi amigo, je vais vous le présenter. J'ai toujours eu un grand succès avec les gens del pueblo. Pimpin, Gradoc, Mishka, je vous présente Pecor. Ah là, c'est Pecor. Allez, venez mon ami, faites-nous visiter votre casbah. Comme là. Et faites-nous goûter quelques petites spécialités locales. Comme là. Vous avez un alcool ordure. Formidable. Je pense que le capitaine Gradoc sera très heureux. Bien joué, général. Quelle force de persuasion. Ça ne me dit rien qui vaille. Restons sur nos gardes. Vous avez raison, mademoiselle Mich. Ça paraît trop facile. Salut, mes amis. Voilà votre, mes amis. Et merci, Pecor, pour cette invitation. Ah, enfin à table. Je commence à avoir faim. J'espère qu'on va se régaler. Mais je croyais que c'était moi, votre guide. Si, absolument, Mishka. Mais Pecor me disait tout à l'heure qu'un danger rôde à proximité. Un danger, vous dites? L'armée ordure? Non, bien pire que ça, capitaine! Bien pire, dites-vous! Vous me faites peur, général. Ah, c'est une légende à ordure. Raconte qu'un étrange brouillard se répandrait dans les forêts. Et si par malheur une personne était prisonnière dedans, elle disparaîtrait, ou pire encore, elle deviendrait complètement zinzin. La vraie Pecor. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité locale. La couleur est un petit peu bizarre, hein. Je vous ai dit qu'on aurait mieux fait de dormir à la Belle Étoile. Ah, tenez, donnez-moi votre bol. Ça a l'air délicieux, en tout cas. Pas trop pour moi, hein. La moucha, c'est... Bah, il en prend juste une, hein. Vous permettez? Non, merci. Quel étrange brouillard vous nous avez décrit, général? Ah, ce n'est pas un simple brouillard. Il paraîtrait qu'un étrange gourou mystique serait derrière tout ça. Et qui s'appelle l'Oriot Gaspard Hamac. Toute cette histoire me fait froid dans le dos. Et il n'y a pas d'histoire d'ailleurs. Gaspard Hamac, mais arrêtez avec cette histoire. Ça fait des centaines de fois que j'entends cette légende et je n'ai jamais rien vu de tel. Croyez-moi, l'armée ordure et la Plavac Aménica sont de vrais dangers. Ma, tu as sûrement raison, Mishka. Mais il n'y a jamais des poumons sans feu, hein. Bon, profitons de ces bons repas, mes amis. Je vais vous laisser finir de manger et puis je vais aller jeter un œil dans les environs. On sait jamais. Bah, tu es sûr que tu ne vas pas goûter un petit peu? Oui, oui, sûr. À ton âge, tu devrais prendre des forces, Mishka. Ah, que cette petite est bizarre, hein. Bon. Regardez, c'est tellement délicieux que j'ai déjà terminé. En tout cas, c'est très bon, Pecor, hein. Vous féliciterez la cuisinière pour moi, hein.
Aucun signe des gardes aux frontières? Non, tout est calme. Je vais prendre la prochaine ronde. Reposez-vous encore un peu, Pimpin, je m'en occupe. Très bien, merci Mishka. Ah. Allez, on fait un petit somme, Milouz. Comment allez-vous, mon ami? Vous avez dû faire une mauvaise rêve. Général, pardonnez-moi, j'ai fait un horrible cauchemar. Toute cette histoire de Gaspar Hamak m'a rappelé une de mes aventures au Pérou, où il était question d'une malédiction. Ah, détendez-vous. Nous avons encore une longue route à faire demain. Allez, Pécor, allons faire un petit tour de garde. Suis-moi. Sapristi, voilà que j'ai des hallucinations. Allons nous reposer à l'intérieur, Milouz. Toujours aucune trace du professeur. Tu es sûr que le pendule est fiable? Je dirais même plus, il est fiable. Je viens de rencontrer un jeune homme prénommé Chang. Il aurait aperçu le professeur dans les montagnes. Mais il m'a mis en garde. Une bête féroce et poilue y demeure. Allons-y! Le brouillard arrive. Pécor, il avait raison. Ma, c'est les brouillards. Si on reste coincé dedans, nous allons devenir complètement zinzin. Fuyons! Mais ne paniquez pas! Il y a souvent du brouillard dans ces régions. Que tout le monde se calme. Cette histoire n'est qu'une légende sans fondement. Ma, Pécor, il nous avait prévenus. Détendez-vous. Je vais respirer ce brouillard et vous verrez qu'il ne m'arrive rien. Vous voyez? Je... Ah! Mademoiselle Mich! Mich! Car! Gaspar Hamak, nous sommes tombés dans son... Nous devons les secourir. Non! Fuyons cette forêt maudite! On ne peut pas les abandonner! Mais que m'arrive-t-il? Je ne me souviens plus de rien. Ah oui, le brouillard. Sacrebleu, mais où sont passés nos amis? Général! Mishka! Capitaine! Ils ont peut-être été enlevés par ce mystérieux Gaspar Hamak. Viens, Milouz, allons retrouver nos amis.
Capitaine! Capitaine! Reprenez-vous, capitaine! Nom d'un macabre de vaisselle! Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, capitaine, nous sommes en ordurie! Trifon! Il faut retrouver Trifon! J'ai bien peur que le professeur ne soit plus notre seul objectif. Michka et le général ont également disparu. Ça y est, je me souviens. Le brouillard. Allons-nous devenir fous, papa? Rassurez-vous, capitaine. Nous n'avons aucun symptôme qui valide cette théorie. Mais qu'allons-nous faire? Cette forêt semble grande. Et sans guide, nos chances d'en sortir sont minces. Néanmoins, Michka et le général n'ont pas pu disparaître comme ça. Ils ont forcément laissé des traces. Vous avez raison, papa. Recherchons-les. Allez, Milouz, cherche! Regardez, capitaine, des traces de pas. Elles semblent aller dans cette direction. Suivons-les, mais restons sur nos gardes. Cette forêt, j'ai l'impression qu'on nous observe. Allons-y, capitaine. Oh, papa, on peut pas s'arrêter un peu, là, j'ai un pas de côté. Ne traînons pas, capitaine. Les traces de nos amis sont encore visibles, mais elles ne le resteront pas très longtemps. Ah, je vous retrouve enfin! Séraphin Tampon! Mille ans de sabord, mais qu'est-ce que vous faites ici en ordurie? Oh, j'y suis. Vous faites partie de la Plava Kamenika. Ou pire, Gaspard Hamac. C'est vous? Non! Mais non! Ça fait des jours que je vous cherche, capitaine. J'ai remonté votre piste et je vous trouve enfin. Ah, quel soulagement. Vous nous suivez depuis tout ce temps? Mais pourquoi donc? Ah, c'est toute une histoire. Figurez-vous, capitaine, que j'ai pensé à vous. Oh non. Et surtout à votre futur. Je vous ai apporté un tout nouveau projet de police d'assurance. Flambant neuf. Espèce de sombre électérope, mais vous n'allez pas recommencer. Chut, faites moins de bruit. Mais c'est pour votre bien, croyez-moi. D'ailleurs, tout ceci me rappelle une histoire de mon oncle Anatole. Coiffeur de son état, il me disait souvent... Séraphin... Que le gars vous emporte. Vous, vos assurances, c'est votre oncle Anatole. Regardez, des enfants. Bonjour les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites là, Moussaillon? Bonjour, vous êtes perdu? Est-ce que je peux vous aider? C'est gentil ça. Alors pour mon contrat, comme je vous l'ai dit, il est flambant neuf. Bon, je reviens, j'ai oublié mon stylo là, pour le... Mais revenez d'ici! Oh oh. Et nous voulons enfermer dans une prison maintenant, bande de chouettes mal empaillées. Papa! Papa! Réveillez-vous, mon ami! Ça va? Oui, capitaine. Mais j'ai l'impression d'avoir la tête prise dans un étau. Tout va bien, Milouz? T'inquiète pas, on va pas faire de vieux os ici. Attention, quelqu'un approche. Ces adeptes de la Plava Kamenika ont sûrement enlevé Michka, le général. Mais je suis perdu, papa. Qui sont ces gens et pourquoi nous ont-ils capturés? Pour moi, toute cette histoire s'éclaircit. Les adeptes de cette secte sont en réalité des villageois du coin qui ont été embrigadés. Embrigadés, dites-vous? Mais par qui donc? Par les trafiquants, ceux-là même qui ont confectionné les huîtres bleues. Mais papa, si ça se trouve, Pécor et sa charmante épouse étaient les leurs. On ne peut vraiment faire confiance à personne ici. J'en ai bien peur, capitaine. Je comprends pas. Mais quel rapport avec la secte? Comme ils sont omniprésents, les trafiquants se servent d'eux pour défendre leur territoire. Ces pauvres bougres pensent servir une divinité. Mais au final, ils camouflent un odieux trafic de drogue. Mais mon ami... Si votre raisonnement est juste, cela veut dire que... Leur repère n'est plus très loin. Absolument, capitaine. Nous touchons au but. Bon, papa, comment va-t-on faire pour sortir d'ici? Ces prisons ne semblent pas très résistantes.
Une fois que la gardienne aura le dos tourné, nous en profiterons pour briser les barreaux et prendre la poudre d'escampette. Attention, voilà la charmante demoiselle qui revient. Charmante demoiselle, moi j'aurais plutôt dit le dragon. C'est une chose, capitaine. Allons-y. Regardez, capitaine, un abri. Un abri? Un taudis, vous voulez dire, oui? On pourrait quand même s'y réfugier. Attendez, dites pas que vous voulez rentrer là-dedans. C'est bon, je pense qu'on les a semés, là, non? Je vais quand même explorer les lieux. Ouais, bah, faites ce que vous voulez, moi je fais une pause. Hein. Ah. Papa, vous sentez cette odeur? On dirait celle du brouillard. Vous avez raison, capitaine. Cherche, Minouz, cherche. Sapristi, capitaine, venez voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la source de l'odeur. Finalement, ce brouillard n'est qu'une supercherie. Ce n'est qu'un gaz soporifique créé par les trafiquants. On s'en est, vous avez raison, papa. Il doit y avoir beaucoup de tuyaux disséminés dans la forêt, et ça leur permet de se débarrasser des curieux. Qu'est-ce qu'il y a, Milouz? Quoi? Le professeur est dans le coin? Ah là, mon brave Milouz, je pense que t'as dû respirer un peu trop de gaz. Montre-moi, Milouz. Saperlipopette, capitaine, de la lumière! 1 000 milliards de mille sabords, on dirait l'entrée d'une cave. Il doit y avoir de bonnes bouteilles planquées là-dessous. Capitaine, voyons... C'est sûrement l'entrée de la planque des trafiquants. Oh, qu'est-ce que vous êtes rabat-joie! Mais vous avez sans doute raison. Allons-y, nous en aurons le cœur net. Capitaine, je crois que cette porte secrète nous a amené au cœur du quartier général de l'organisation. Nos amis sont peut-être retenus prisonniers ici. Mille sabords, vous avez sans doute raison, papa. Restons sur nos gardes. Et Alpine, je le cherche partout. Il est avec Rastafopouri. Ce serait bien que tu fasses quelque chose à propos de ce tourne-disque. Si c'était que de moi, il serait déjà au cimetière. Alors ouvre l'œil et le bon. Entendu. Bon sang, le professeur est ici. Plus de doute à avoir. Je vais faire mon tour de garde. Colonel, c'est vous? Ja, c'est moi, meine kleine Edelweiss. N'oublie pas, ouvre l'œil! Entendu! Vous! Cradoc, espèce de mèche mouzou! Je vais détruire Fermine! C'est une créature! Mon pauvre Milouz! Oh.
l'impression de connaître ce bachibouzouk, papin. Oui, c'est le colonel Spence. Il s'est laissé pousser les cheveux et la barbe. C'est pour ça que vous l'avez pas reconnu, capitaine. Je le préférais avec sa petite crête, ça y allait beaucoup mieux. On n'est pas là pour discuter esthétique capillaire. Allons retrouver notre ami. Fouillons-le, papin. Il a peut-être les clés de la cellule sur lui. Ah, oh, mais que fais-tu, scélérat ? Où sont les clés de la cellule ? Il n'y a pas de clés de cellule, vermine ! Oh, j'entends plus rien. Professeur ! Papa, oh, que faites-vous là ? Oh, Truffaut ! Trifour, mon vieil ami, qu'est-ce que je suis content de vous voir ! Vous êtes là pour nous sauver ? Absolument. Oh. Mais qui êtes-vous ? Je suis Pimbus Jean Dolan. Je suis un ami du professeur, et moi aussi j'étais enlevé. Pardonnez ma question, mais j'ai des amis qui ont disparu non loin d'ici. Est-ce qu'il y aurait d'autres prisonniers ? Je sais pas. Entendu. Je vais quand même fouiller les environs pour voir si je les trouve. Quel acteur ! Il semble réellement évanoui. Il joue bien. Allons-y, professeur. Capitaine ! J'arrive, papa ! Toujours pressé, même pas le temps de boire un coup. Nous voulons repérer. Tonnerre de Brest, il ne faut pas rester ici. Nous ne pourrons pas partir sans l'escale, général. C'est trop tard, on reviendra, papa. Dis donc, Dupuis, tu trouves pas que ça sent une drôle d'odeur ? Je dirais même plus, ça sent une odeur drôle ! Regarde, Dupuis, une caravane ! Le professeur est peut-être avec eux ! Oui, peut-être. Sinon, on aurait quand même dû prendre de l'eau. Je commence à avoir soif ! Dupuis, j'ai soif. On aurait vraiment dû prendre de l'eau. Et je dirais même plus. Enfin, comme dirait le capitaine Craddock, on est dans le pays de la soif. L'alarme retentit encore. Je l'entends au loin. Une alarme ? Vous êtes sûr, capitaine ? Allons-y, continuons, les amis. Vous n'y arrivez pas ! Oh, Alban, vous ici ! Cette fois-ci, ce paysan ne nous arrêtera pas. C'est ce que vous croyez ? J'ai plus la tour dans mon sac ! Ah ! Bien joué, papa ! Ça suffit, espèce de petit freluquet ! Rastapo pourri ! Toute cette histoire, c'était vous ! Ce cher Pimpin, vous avez cette mauvaise habitude de mettre votre nez dans mes affaires. Mais cette fois-ci, ça sera la dernière fois. La Plava Caménica, Gaspard Hamac et toute cette histoire de brouillard, c'était vous ? Absolument. Tant d'imagination, tant d'ingéniosité. J'arrive moi-même à me surprendre, hein ? Quel gredin vous faites ! Votre place est derrière des barreaux ! Et vous, Pimpin, votre place est 6 pieds sous terre ! Ah ! Enfin, nous t'avons retrouvé, espèce de grédine ! Petit moustachou ridicule ! Mais qui êtes-vous ? Mishka, général, vous êtes vivant ! Ouh, mais qui est donc cette charmante demoiselle ? M'avait étrouffé des plombs ! Attention ! Merde ! Pilpin, rattrapez-les ! Vite, papa, rattrapez-le ! Papa, reste à peau pourri. Attendez, c'est un costume de chez Benamou. Nous allons pas le fourrasser. Vous savez, dans ma jeunesse, j'étais boxeur dans le Péloponnèse.
Bah, croyez-moi, capitaine, quand nous avons été pris dans cet horrible brouillard et que nous avons sombré dans ce profond sommeil, des villageois, ils nous ont enlevés. La Plava Kamenika, la secte créée par Rastapopouri. Tout à fait, capitaine, ce sont des amis de cette grédine. Bah, heureusement, ma bonne Emishka, elle a usé de tous ses talents pour nous sortir de ses guépiers. Tous ses talents, dites-vous? Oui, tous ses talents. Vraiment tous ses talents? Je vous le dis, capitaine, tous ses talents. Elle a même fait sa petite danse. Oui, bon, hé hey. Et ensuite, nous avons suivi votre piste jusqu'ici. Et il me semble que nous sommes arrivés pile au bon moment. Oh, papa! Ah, Pin-Pin, vous l'avez eu, cette gridine! Je vais t'arracher tous les poils de ta petite moustache ridicule! Ce malfrat ne prend plus mal à personne. Nous avons démantelé son immonde trafic. Je vais pouvoir confondre le général Guacamole et reprendre les pouvoirs du San Kranasofias. Déposons ces criminels au poste de police le plus proche et rentrons chez nous avec nos amis. Bien parlé, papa. Quittons ce pays de fauchetons la sauce tartare et rentrons à Malassars. Bravo! Bravo! Quel final! Mais quel joyeux louron, cet Rifion! Bon, Flutz, il doit nous attendre. Rentrons, il a dû faire chauffer mon aéroplane. En route! Alors, on y va. Bien, je vais nous mettre des coups de pied dans son cou à celle-là. Attendez-moi! Attendez-moi! Ça y est, mon petit Milouze, j'ai enfin terminé mon article. Notre dernière aventure fera la une du petit 21e. Allez, le capitaine nous attend pour déjeuner. Excusez-moi, mon brave, est-ce que je pourrais vous caricaturer? Désolé, on m'attend. Oh, rassurez-vous, ça ne prendrait que 90 minutes. Je trouve que vous avez une physique très atypique et j'aimerais vraiment vous croquer. Voilà, d'accord, rapidement. Hein. C'est gentil, merci beaucoup. Alors, ne bougez plus. Voilà. Prenez fière allure. Où est le petit sourire? Descendez la petite bête. Très bien. C'est parfait. Cette crinière rousse est vraiment fantastique. Et ce petit pull bleu vous va ravir. Je dirais qu'il va très bien avec vos yeux. Écoutez, on y est presque, la touche finale. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Je ne veux pas vous vexer. Mais c'est pas très ressemblant. Hein. Vous trouvez? Allez, je dois filer. Bonne continuation, mon brave. Merci beaucoup. Hein. Par ma foi, ce jeune homme a raison, la caricature est beaucoup plus jolie que l'original. Moi, je trouve que ça fera un très bon personnage d'illustré franco-belge. Hein. Je pourrais peut-être même me faire un peu d'argent avec. Donc je viens d'inventer un appareil révolutionnaire. Révolutionnaire, dites-vous? Oui, je
Je l'ai baptisé le Supercolor Trifona. Formidable, vous êtes un précurseur. Oui, exactement. En couleur et sur grand écran, le cinéma à la maison. Bonjour les amis. Oh, bonjour Pampin. Je viens juste de déposer mon article sur les huîtres bleues. Venez, installez-vous, le professeur est en train de me présenter sa dernière invention. Une nouvelle invention, vous dites? C'est fascinant. Vous voulez une démonstration? Mais bien sûr, préparez-vous, vous allez vivre un moment historique. Mi pueblo de San Carlos. C'est notre ami le général? Yes, oui, finalement, il a repris la tête de son pays. Vous retrouver des... Nom d'un bulldozer à l'action, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, il semble qu'il y a un problème de connexion. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Capitaine! Je dirais même plus, Pimpin! Cette fois-ci, nous en sommes sûrs. Le professeur n'est plus très loin. Regardez le pendule, il indique cette direction. Je pense, capitaine, que le professeur n'est plus très loin. Il se cache chez vous, ici même, à Moulinsars. Bonjour, messieurs! Oh, le professeur, vous voilà enfin! Je dirais même plus, enfin vous voilà, professeur! Les amis, cette aventure m'a ouvert l'appétit. Je vous invite tous à dîner. J'ai demandé à Nestor de nous préparer des huîtres. Mais rassurez-vous, cette fois-ci, elles ne seront pas bleues. Bonjour mon ami, ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Oh papa, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Moi aussi capitaine. Bonjour professeur. Tiens donc, ne serait-ce pas ce cher Pimpin? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous ici? Vous reprenez la mer? J'apprécie le confort de Moulinsars, mais le large m'appelle. Et puis, je suis sur une affaire. Une affaire vous dites? Montez à bord. Alors cette affaire, capitaine? Je connais bien le secteur et les villageois sont inquiets. Inquiets? Mais pourquoi donc?
Toutes les nuits, ils entendent des cris qui émanent de la brume. Des cris, vous dites ? Oui, des cris. Les cris d'une bête. Une bête féroce. Ils l'ont surnommé le Grasset. Le Grasset ? Les cris viendraient d'une île qui abrite un château abandonné. Effectivement, toute cette histoire est très intrigante, capitaine. Je savais que j'allais piquer votre curiosité de reporter. D'ailleurs, à ce propos, je suis en pleine réflexion. Vous savez, avec l'arrivée de toute cette modernité, le Minitel par exemple, j'ai peur que ma profession de journaliste soit mise en péril. Ne dites pas de sottises, papa. Mais rassurez-vous, j'ai plus d'un temps dans mon sac. Je songe à une reconversion et j'ai déjà tout prévu. Vous voulez voir ? Avec plaisir, mon ami. Bougez pas, hein, je reviens. Et quelle mousse l'a piqué ? Ah non, capitaine, je n'ai pas de briquet. Alors ? Désolé de vous le dire, papin, mais je vous préfère en reporter qu'en groove. Vous trouvez ? Ça vous va très bien, papin. Mais j'aurais préféré en vert. Tout ce rouge me fait un peu trop penser à un groom. Merci, professeur. Nom d'un bouc d'estrade qui tarde des Alpes. Le Grasset. Capitaine, l'aventure nous appelle. Vous avez raison, papa. Larguez les amarres. En avant pour l'île sombre.